très bonne manette. Bon allez, on va y aller. On va reprendre là où on avait laissé la dernière fois. Alors
Alors n'hésitez pas à me dire encore une fois s'il y a des problèmes de qualité, problèmes de balance du son ou quoi. Juste à régler ça. Pour rappel, la dernière fois on avait fait la mission pour devenir des SID, des soldats. Mission qu'on avait réussi avec plus ou moins de brio. Et maintenant, on va participer au petit bal qui est fait en l'honneur de cette réussite, justement. Alors, je suis pas sûr qu'on soit 128, non? On met un bon gros vent des familles Azel. Bien sympa. On l'aide à faire ses soirées ou pas? On va dire oui, on est cool quoi. Et là, une inconnue. On va essayer de nous hypnotiser pour qu'on aille danser avec elle. Alors là, ça marche pas très très bien. La bonne excuse. Et je vous laisse la cinématique. Thank you.
Voilà, a priori, Squall, il avait bossé avec la deuxième partie de la Corée. Peut-être entraîné sur Just Dance ou je sais pas trop quoi. Bon, là, c'est la prof qui vient nous demander de transgresser les règles. C'est logique, hein, un peu des trucs bizarres dans cette école, mais bon, on se pose plus trop de questions. Ouais, grosse ambiance, clairement. On est parti pour la sœur de combat. C'est pas dur, c'est la seule où il n'y a pas de garde. Se taper un tutoriel. Les attaques mentales et défense mentale, c'est comme pour les éléments, sauf que c'est avec des attaques comme cécité ou ce genre de choses. Alors, on a réussi à le passer. Alors, on va lui mettre des GeForce quand même. Bon, ça va pas le faire. Récupérer les magies de selfie. Alors. Ouais. On va faire gaffe de pas tomber sur le T-Rex parce que vu l'état de l'équipe pour l'instant, c'est même pas la peine. Ah bah bon appétit, Somme.
dit qu'on se fait attaquer par des plantes. Les autres de magie qu'on n'a pas encore, on va quand même les récupérer vite fait. Morphée, comme c'est bizarre, c'est la magie qu'on nous a dit d'utiliser contre le T-Rex. Quelle chance. C'est pas du tout prévu. Voilà, une petite limite, on n'en parle plus. On a récupéré des foudres qui vont nous permettre de faire de la magie avec les capacités des G-Force. Mais là, on n'a pas encore les capacités qu'il faut. On va se soigner rapidos. Ah, on se tape le T-Rex. On va essayer de se barrer parce que sinon il va mettre un coup de queue, on va mourir. Voilà, courage fuyons, hein, comme on dit. On se fait endormir, comme ça le combat va durer bien longtemps. Et il verrait que le McDo était un peu trop loin, je pense. Ouais, ça va, t'as pas loupé grand chose. Tu ne m'entends pas. Hey, salut Jess. L'arrivée est toujours aussi fracassante. Toujours, il est là. Allez, on a pas que ça à foutre que de se battre contre des plantes. Voilà. Souvenir Stunfest 2015.
Ah, c'est un peu compliqué, je crois pas que le jeu te laisse faire ça. Voilà, dans la cachette secrète des étudiants. Avec un léger blanc. Voilà. Shonen lycée. Pourquoi tu dis ça? Eh oui, minuit passé, c'est plus une prof. Jess. Peut te faire plaisir, on peut peut-être te filer une petite copie du jeu, hein. Salut, Korosukyo. Alors, je sais pas c'est qui. Les gens changent de pseudo, de plateforme en plateforme, c'est un peu le bordel pour s'y retrouver. Ah, ok. Le monsieur qui s'entraîne sur Guilty. Ah, si tu savais, Jess. Pas fan de Linoa non plus, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On va se regarder, comme ça, même en cas de pépin, on n'a pas besoin de se retaper 17 minutes de cinématique. Ah bah niveau gourde avec Lino, elle est bien tombée, hein. C'est pas une flèche là, madame. Ouais, une ultime qui rend tout le monde invincible, ça peut servir sur n'importe quel combat, y a pas que le Minotaure, hein, de toute façon.
On se bouffer par des plantes, c'est bien. On les coups de liane. Ah, je t'avouerais que t'es pas souvent dans mon équipe non plus. Ah, bon courage. On aurait peut-être dû se soigner. Oh là là, mais c'est la femme de l'infirmerie. J'avoue, le boomerang en plastique, ça n'a jamais été validé pour se battre, quoi. Je sais plus ce qu'il y a à voler sur ces merdes là. Ah, le mec il joue au foot, il nous balance des carapaces comme ça. On va le rater. Le talent quoi, le talent d'un homme. En une leçon. On récupère des blindages, oh, c'est pas mal. On va pas s'en servir, mais c'est pas mal. Pour cette prix. Bim. Merde. A priori, il faut buter les trois de devant pour taper celui de derrière. C'est cool. La mineure a rien fait ou j'ai mal vu? D'accord, il fait aussi du technique du parachutage de mob. Et il tape beaucoup le monsieur. Peut-être se calmer là. Là, Zlatan. Notre ami Sum Picture, photographe, qui fait sa petite pub. Hey, salut Omicron. Plutôt inspiré ce soir, je trouve. Ah voilà, 16 rock ferrique, avec ça on va pouvoir faire de la magie de qualité et monter un peu ses stats de bolos là. Bon, la Sekuro n'a pas le droit à merci, rien du tout, elle se barre. Très vite en plus, on n'arrive pas à la rattraper. Salut Temisia. Énorme, énorme somme, énorme ta blague, franchement.
Ah, c'était pas lui, mais le rebondissement incroyable, quoi. Bah, Omicron, la dernière fois, on s'était arrêté juste après avoir passé l'examen. Là, on a juste fait le bal pour récompenser ceux qui ont passé l'examen. Et il y a la prof qui nous a demandé d'aller la rejoindre dans la zone secrète après le couvre-feu. Hein, la prof qui nous demande de transgresser les règles, c'est plutôt sympa. Et on est allé donc le retrouver. Elle nous a dit qu'elle était plus prof, etc. Et qu'on serait sûrement amené à faire des missions ensemble parce enfin, elle est redevenue soldat aussi. Et on a juste secouru la madame là en sortant de la zone de combat. Et oui, t'as loupé le bal, c'est dommage. La meilleure cinématique du jeu. Ah, on parle d'elle, ouais. Enfin, un peu chaudasse comme ça. Du coup, je suis pas suivi. Je peux faire. Alors, bah, c'était pas sarcastique quand je disais que c'était la meilleure cinématique du jeu. Franchement, j'aime beaucoup. La musique est géniale. C'est beau quoi, merde. C'est la PlayStation 1. Ah, Zell le grand frère qui nous cherchait, hein, parce qu'on a un peu disparu comme ça. Ah, elle a passé 1 heure pour nous dire ça. Dans la nouvelle chambre juste en face de la sienne. Voilà. En face de l'ancienne ou en face de la sienne? De l'ancienne, pardon. Ah, elle était partie voir Sid, non? Elle était juste partie voir Sid pour des négociations. Et voilà, on va commencer notre première mission. Donc, Sid. Non, pas de petits sommes, non, ça va. On a dormi tout habillé, on s'en fout. On a changé de fringues pendant la nuit aussi. On avait le costume de cérémonie et là, on se retrouve avec les fringues normaux. Ah, on a reçu notre premier salaire de 2010, qui est énorme. Ah oui, effectivement, ouais, c'était Zell qui était avec les fringues de cérémonie. T'as raison, Rek. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Voilà, on est là pour les instructions de la première mission. Et qui c'est qui arrive en retard? C'est Zell. Qui arrive en overboard. Vous avez pas la musique? Ah, j'ai peut-être trop baissé, je sais pas. Vous avez pas le son du jeu? Pendant que Zell se fait voler complètement au calme sur l'overboard, rien pu faire. J'ai peut-être trop baissé parce que tout à l'heure j'avais un petit problème de balance.
T'as bien vu Eliandre alors. Pour qu'on sait sur vous les gens. Ça fait plaisir. Attendez, je vais monter un peu. Et vous allez me dire si c'est bon. On va mettre comme ça. Voir si la balance elle est bonne avec la voix et le jeu. Ok bah c'est cool. Ah désolé. J'ai pas le retour, bah c'est un peu compliqué. Et on est envoyé pour aller aider un petit groupe de résistants dans le village de Timber qui est juste à côté, enfin presque juste à côté quoi, à quelques stations de train. Et on récupère l'Alador. On va voir ce que c'est tout de suite. Je trouve un petit point de sauvegarde parce que vu l'objet, on va pas prendre de risque. Et vu l'état de la team aussi. Des soins, ça c'est cool, toujours utile. Alors on va refaire les associations vite fait, et là ça sert plus à rien par convention hein. Personnellement je vais toujours Ifrit avec zèle parce que voilà, vigueur, zèle, ringmaster, tout ça. Ça va bien, je trouve. Ondine sur selfie. On va les mettre voler et on va mettre objet sur zèle. Et magie, on va récupérer celle de Kistis. Le rendre selfie. Zèle, on va lui prendre quelque chose. On va créer de la magie. Créer de la magie. Je vais faire ça. Là, on n'a plus rien dans la création. Du coup, on va mettre magie plus 20%. Là, on n'a plus rien de création non plus. On va mettre. On va mettre invocation plus 1%. 10%, pardon, c'est bien. Vigueur associée, ça, ok. Vigueur plus 1%, pardon. Et. Des objets soignants, des outils. On va mettre ça. Création de. Objets soignants, je crois que c'est une erreur de traduction, mais je suis pas sûr, parce que je crois pas que ce soit des objets concrets avec ça. C'est plutôt de la magie. Ou peut-être que je dis de la merde, on verra bien. Donc on peut faire de la magie médicale, ça c'est bien. On peut faire des soins max. Ah, filer des soins max à selfie. Est-ce qu'on claque tout? Non, on va pas tout claquer, on est pas des fous. De la magie S pour zèle, on va lui filer 50 foudre X pour associer à sa stade de vigueur. On va mettre des bonnes patates de forain. Ah, on met déjà soin max histoire de payer les stats. On a gagné un point avec foudre X, c'est quoi le délire? Ah, on en a que 5. Qu'est-ce que j'ai fait? Tenter, je crois. Non, non plus. On est transformé à seul. Passe de 20 à 35 de vigueur, ce qui est pas négligeable comme up. En blindant, créa magie sur les GeForce. En fait, la capacité que la GeForce elle a apprise, ça me permet justement de créer ces magies-là. C'est ça que la GeForce elle a appris, création, magie, céleste, etc. Ça me permet de débloquer la capacité qui est là. Les capacités qui sont là, et ces capacités là elles me permettent de transformer des objets en magie.
Alors bah, magie céleste c'est pour la foudre, glaçante, incandescente pour le feu, magie médicale c'est ça qui nous a permis de récupérer des soins max. D'ailleurs on va en rajouter quelques-uns, allez on va leur donner 3 de plus, voilà comme ça elle est blindée niveau magie. Plus quoi qui sert un peu avec que dalle pour l'instant. Là il est vraiment une stat de merde. Puis on va aller farmer un petit truc vite fait. On va essayer de pas faire durer ça trop longtemps. Et tabasser du mob sur la plage. Alors normalement ça va nous donner des objets à créer, à transformer en H2O. Et là c'est bonne magie pour upper notre stat de vigueur. Voilà c'est ça, enfin n'utilise pas le terme magie parce que ça va vite porter à confusion, mais oui en fait tu transformes ton objet. Quand tu as la capacité, tu peux transformer ton objet en magie avec. Alors eux je crois qu'ils sont du type O. Ouais voilà un skill, ouais si tu veux, ouais le skill c'est bien trouvé, c'est bien trouvé. On va faire Golgotha du coup. Et elle a pas de foudre. Ouais du coup on va balancer Rondine. Allez. Ça a duré un peu longtemps avec les invocations mais bon. Vu que le perso tame comme des loutres. À part Zell qui envoie des bons gros 73. C'est un bonhomme. Qui sort du sol. On va les buter à coup de harpe. C'est ça qu'il nous faut, le petit aileron. Normalement, transformé avec capacité à la création de magie. Classe 20 H2O, on va les refiler à Squall. Et ça a peut-être même plus d'impact que Foudre X, mais je suis pas sûr, on va voir ça. Alors, c'est pas autant, mais c'est pas mal. C'est franchement pas mal. À quoi ça sert déjà de décraft Zell? Je crois que c'est de ça dont parlait c'est Diane je crois, la strat où il faut utiliser la carte de Zell. Je sais plus du coup, je sais plus du tout qu'est-ce que tu récupères en transformant sa carte. Alors gagnant du triple triade, tu peux gagner des cartes en fait, cartes des adversaires. Et ces cartes là tu peux les transformer avec un skill de GeForce en objet que ensuite tu peux retransformer ou utiliser quoi. C'est le petit cercle infini quoi. Et tu as aussi des capacités pour transformer directement des mobs en cartes pour continuer dans ce cercle là. Ouais ça va les patates, ça commence à avancer. D'accord, ok je vois.
Ouais, c'est clair que d'avoir des plis vigueur plus 60%, ça fait plaisir. Salut Zblois. Zblois, je ne sais pas. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Je vais pas vous faire le supplice de continuer à farmer. C'est quelque chose que je ferai plutôt off stream. Voilà. Là, niveau vigueur doit être un peu plus correct. Voilà, 35-35, c'est bien. Ça commence à parler. Donc, on va aller dans la ville qui est juste à côté, dont je ne me souviens plus du nom. Oh non, 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 en fait, non, il faut aller avec le train, je crois. Oh, je sais pas. Ah, 191 le crit. Ah, le fameux José Bové, effectivement. Un vrai guide pour toute sa génération. Donc on va sauvegarder un coup, je pense qu'on va wipe. Mais, je sais pas, quoique non, c'est peut-être faisable. On va utiliser la Lador qu'on vient de récupérer. Ok, ça marche. Bah écoute, c'était cool, merci de ta visite. Donc voilà, on a utilisé la Lador. Il faut savoir que la description de l'objet, c'était sauvegarder avant d'utiliser. Parce que en fait, on va se quitter contre le Nosferatu. On va essayer de le défoncer, ouais. On met rien, mais bon. Il va nous faire pas mal de magie type quart, demi. Zel, il va taper normal. Voilà, on voit que ça fait bien, ça fait plaisir quoi. Merde, on rate les jackpots, ça va pas le faire. Voilà, Pierre in the Kuken. Alors qu'est-ce qu'on a le temps de choper? Merde. Non pas aura. Alors, on va faire une AC+. En fait c'est Sid qui nous l'a donné après lui avoir parlé quand tu nous as donné la mission. Ah, il a l'air fat, ouais. Ouais, il est bien sympa, franchement il est... c'est le charisme quoi. Alors en fait depuis la dernière fois j'ai regardé et B4 en fait c'est triangle. Enfin, c'est l'équivalent de triangle sur manette de play, alors que sur PSX c'était rond, c'est pour ça que j'étais perdu. Je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire. Et alors ça devrait mieux se passer avec le truc là. Merde, j'aurais pas le temps de faire le dernier je pense. Voilà. Bon, j'ai raté le Fahrenheit, mais bon, ça a déjà mis bien cher là. Voilà, vu qu'on est lourd, on va spammer un peu les... On va spammer les limit break. Zel qui Squall qui refuse de faire de la mineur, le petit finisher de son combo. Bon voilà, il nous fait quart, on peut pas crever dessus hein, vu qu'il nous enlève un quart de la vie qu'on a. On va recommencer. Voilà. Alors, on va faire joubu, comme ça on est bien. Normalement, si je me souviens bien, c'est la magie qui rend full life toute la team. Ça va être un peu contre-productif au niveau des dégâts, mais ça me permet d'être un peu plus safe. Voilà, le finisher de Zel. Ah, Lionheart CD1, ça va être compliqué. Hein. Il va y avoir encore des strats un peu chelous pour la choper, mais bon. Je préfère y aller tranquille. On va y aller un peu dans l'ordre. Hein. Sinon, ça va être le bon gros spoiler, on va défoncer tout ce qui passe. C'est pas forcément le but. Voilà. Ah,
Bah c'est un spell qu'on a pas vu la dernière fois ce soir là, en fait c'est avec la limite de selfie. Il y a certains spells dans la limite de selfie qui sont des bons gros spoilers, enfin des trucs qui vont complètement déséquilibrer. Dont ce spell là en fait qui rend full life toute la team. C'est juste qu'il faut avoir du bol et tomber dessus à la roulette quoi. The End, en fait, ça gagne le combat, quoi. Voilà. Fait disparaître les mobs, basta, c'est un peu le... Comment ça s'appelle? Un peu comme le truc d'Odin, par exemple, hein, un petit Zantetsuken, et voilà, bim, y'a plus rien. Ouais, pas de doute, effectivement, ça je me souvenais plus, mais ouais, c'est fort probable. Merde, ah, j'ai raté le Fire Knight, tant pis. En même temps, faire les manips avec le joystick, parce que je peux pas utiliser la croix directionnelle, c'est pas pratique là-dessus. Bien précis. On va continuer, hein. On réfléchit pas, on tape. 3 foudres plus. Ah oui, c'est le qui fait ça. Le joypad, ouais, je sais, mais j'avais pas envie de me faire chier à installer des trucs. Il faut faire des profils, machin, pour émuler des touches. Ça me fait vraiment chier, je le ferai, ou au pire jouer avec le stick arcade, à la limite c'est plus précis que la manette. Juste un peu moins pratique pour le porter à la main. Eh oui, Jess, je sais. Calmons-nous. J'aimerais beaucoup ne pas le rater. Ah, je crois que j'ai raté encore une fois. Et pourtant, j'ai pris 2 secondes pour le faire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on a rien vu, c'est rien passé. Voilà, récupérer une Nosferatu et sa carte. Vigueur plus 20%. On commence à parler. Voilà, ça nous fait du coup une GeForce en plus. Qui est le monsieur qu'on vient de battre. On va lui faire apprendre... Apprendre quoi? Je pense qu'on peut partir sur un... sur une petite création de magie temporelle, n'est-ce pas? Pour d'avoir des boostés. Là ça n'a pas appris, ça a appris. Et du coup on va passer sur vigueur plus 40%. Bazel, il va mettre des patates encore plus de forain. Pas assez mal le bougre. Ah la vigueur plus 1%. Là, pour ceux qui connaissent pas, ça c'est donc les actions qu'on a en jeu, en combat avec le perso. Et là on a des habilités qu'on peut mettre. C'est 2 habilités par perso ou 3 avec une compétence. Et en fait voilà, ça nous permet de lier les habilités qu'on a appris avec les GeForce. Alors, vu qu'on a appris vigueur plus 20% avec Ifrit, on peut le mettre à Zell. Vu que c'est lui qui est associé à Ifrit. Et ça lui permet de gagner 20% en vigueur, ce qui est pas mal. C'est pas le mieux, mais c'est un assez bon début. Du coup, on va sauvegarder un coup, hein, parce qu'on a un peu on flippe un petit peu de mourir maintenant, ce serait bête. Ça m'étonnerait, mais bon. Jamais trop prudent. On va soigner ça. Ouais, ça fera encore plus mal si je le foire pas, effectivement. Merci de me le rappeler, de remuer un peu le couteau. Ça fait plaisir. Je crois que c'est là la baraque de Zen, non? Ah, effectivement.
Zell, il habite juste à côté de la fac, mais il va quand même dans le... Il dort quand même au campus. On peut pas encore jouer aux cartes avec elle, malheureusement. D'ailleurs, il va y avoir une condition à remplir. Je laisse notre ami Jess peut-être nous dire comment. Je sais pas comment dans sa chambre. Ah, la petite maison classique avec des salles d'environ 5 mètres carrés. Faut pas le choix de dormir au campus. Ouais, cette règle complètement abusive. Alors, on vient d'y aller chez maman là. On va aller à la gare. On a des sous pour acheter des choses. Ça peut être intéressant. À 9000. Avec 9000 on peut acheter Red Cross. On a acheté 2. Allez 5. C'est fou. 5 Red Cross, comme ça on va refaire des soins max pour bien monter les stats. On verra bien si ça nous sert plus tard. On se ferait pas une petite partie de carte vite fait. Ah non, je crois qu'il faut dépenser des sous pour... faut dépenser des sous pour ajouter des règles, je crois. À 30 000. C'est pas pour tout de suite. Mais bon, on va attendre de faire ça avant de jouer aux cartes. Ouais, mais je compte pas m'en servir trop souvent en fait de soi-max, c'est surtout pour la stat. Pour l'instant, je suis largement, enfin j'ai largement assez de soins avec un soin normal. Quoique... Enfin, je me suis fait niquer. J'ai dépensé trop de sous. Élixir, ça me fait... Allez, on va vendre un. Tant pis, tant pis. On peut pas prendre le train, c'est ballot. Ah, pour Timber est là. PPT. La stat. Alors, re-petit cours éclair pour l'ami Omnicron. On a associé la magie de Soimax à la stat de magie de Selfie. C'est ce qui fait monter plutôt pas mal la stat. C'est pour ça que là, on va éviter de s'en servir, parce que plus je vais m'en servir, moi je vais avoir de Soimax en stock, et moi ça va faire monter ma stat de magie. Et vu que le but de Selfie, ben, c'est d'utiliser de la magie pour buter des mobs, ben, on va essayer de garder le stock de Soimax intact, ou le plus possible. Ça, c'est en un 100, c'est le max, ben, t'as le plus de... Enfin, c'est là que ta stat elle va donner le plus de... Enfin, ta magie elle va donner le plus de stats. Sachant qu'il y a des magies qui sont plus destinées à certaines stats. Par exemple, soit max, il me semble que les magies de soins, le mieux c'est soit pour les résistances élémentaires, soit pour les PV. Après, t'as des magies comme par exemple booster qui te permet de, en combat, de monter ta jauge d'action plus vite. C'est celle qui a le plus d'impact. Ou une de celles qui a le plus d'impact sur ta stat de vitesse par exemple. Et enfin pas mal de choses comme ça. Donc voilà, on a libéré l'accès aux autres wagons, c'est génial. Faire le tour du train, c'est parti. Zell qui fait des bruits un peu chelous en rebondissant sur le canapé.
Un peu des jambes cure-dents aussi. Il a pas fait la muscu le jour des jambes, c'est pas l'eau. On a récupéré un bouquin sur les chiens, ça nous servira quand on aura récupéré un autre perso. Sans vouloir vous spoil. Eh, salut Fangile. Ah, pas de nœud dans ce jeu-là, pas de récolte. Quelques années plus tard dans les FF qui viennent. Est-ce qu'on connaît Timber? Oh, ça m'intéresse pas en fait, je m'en fous. Ok. Voilà, Zell qui nous explique que Timber a été envahi par Galbadir il y a quelques années, enfin il y a plusieurs années, et que la résistance elle est pas organisée, et du coup bah ils arrivent pas à repousser Galbadir. Et justement notre boulot c'est d'aller aider ces groupes de, un de ces groupes de résistants, dans le but de libérer leur pays. À 3, contre une armée, ça va être génial. Et là, trois personnages qui tombent dans le. Enfin, dans le. Ils s'endorment, quoi. Hein. Ils tombent dans le sommeil, ce n'est pas très français. Et là, on sait pas trop ce qui se passe. Et on se retrouve à jouer des personnages complètement différents. Un nouveau thème de combat, bien sympa. Voilà, si vous ne connaissez pas ces persos, c'est normal. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. T'as pas raté un épisode ou quoi? Salut Mister Animator 131. Alors en fait on est sur Final Fantasy VIII. Et l'histoire en gros on est des... Ouais on va peut-être... Enfin, je vais peut-être vous laisser le faire à l'écrit, ce sera plus simple. Parce que là pour avancer dans le jeu, expliquer, lire le chat, me concentrer un peu sur ce que je fais, ça va être compliqué. De Laguna qui est bien sympa. Ouais voilà en fait le groupe de personnages qu'on joue c'est des étudiants qui deviennent des soldats
et qui vont faire des missions par-delà le monde. On parle pas encore de sorcières à ce stade. Ah, pose pas de questions, Omnicron. Le monsieur est là pour mettre des baffes, il met des baffes. Et voilà. Il n'a pas trop de questions à se poser. C'est un équilibrage à la. L'équilibrage à la Diablo, c'est tout. Des gros chiffres. Et je sais pas si vous avez vu la bulle qui est apparue juste avant, mais on apprend que les trois personnes sont des soldats de Galbadia et qui sont justement là pour lancer l'assaut sur Timber. Île qu'on est censé libérer avec, avec Squall, Zell et Selfie. Enfin, du moins aider à libérer. Ah bon, on laisse la voiture au milieu du espèce de rond-point, on a rien à foutre. Pas notre problème. Là, on va aller boire un coup tranquillement. Ouais, une petite réplique de l'Arc de Triomphe. Je pense que je me suis un peu planté de chemin. Légèrement. Bon, les soldats, ils en ont rien à foutre, hein. Il n'y en a aucun qui se gare où il faut. C'est l'anarchie complète. Save tranquillement. Ouais, visiblement ils sont pas tous clairs. Ouais, une petite agression en règle sur la serveuse. Hein. Bonne soirée Altemisia. Lui, il est complètement défoncé. Bon, alors quand même,
Ouais, mais avancer, on va pas la faire chier pendant 20 minutes. Ordre de repos tant attendu. Pas leur première fois dans ce bar-là, a priori. Le coup de la crampe. Ouais, c'est bien affiché. On a vu avec le petit passage au piano, un petit extrait des magnifiques OST de ce jeu. Et là, retournement de situation. On va pas réussir à l'approcher alors c'est elle qui vient à nous. Moi je prends plus simple comme ça, bizarrement. Nerveux pour être nerveux, à peine quoi. Heureusement que Julia prend les devants. On serait pas sorti de l'auberge avec lui. Il y a tous les crevards du bar qui sont autour.
les potes toujours là pour nous encourager, hein, franchement. Pas de relation. Heureusement qu'il avait dit qu'il voulait pas trop parler de lui. Et on est revenu avec l'équipe de base. Et là, on comprend que les trois ont fait le même rêve.
correspond à la séquence qu'on vient de vivre avec, avec Laguna, Kiros et Ward. Voilà, on arrive à la gare de Timber, finalement. On aurait été trois seuls pécores du train, a priori. Je crois que j'ai oublié d'associer l'ami Nosferatu. D'accord, ok, bon, j'ai tout sauté en fait. C'est bizarre. Ah, tout sauf Squall. Par exemple, on voit, je vous disais tout à l'heure, cette fille, elle peut associer 3 capacités au lieu de 2. Et grâce à ce ratu. Nosferatu, voilà, capacité x3. Permet du coup à cette fille d'en avoir 3. Pour l'instant, on n'en a même pas une, donc c'est pas trop utile, mais ce sera plus utile en fin de. Enfin, plus tard dans la partie. Ah, les forêts ont bien changé. Mais les hiboux sont toujours là. Sont encore là, pardon. C'est le mot de passe que le proviseur nous a donné tout à l'heure pour pouvoir. Lutter avec le groupe de. Le groupe de résistants. Donc c'était lui le. Leur messager. Voilà, la petite gare en interne, je sais pas, ça va être un métro, une connerie comme ça. Avec des wagons bien dégueulasses. Ce wagon qui est en fait utilisé par les résistants pour établir leur base. Squall qui met des vents à tout le monde, hein. Elle en a mis un tout à l'heure à Hazel dans la. Pendant le. Comment dire, pendant le bal. Pareil pour son client. Et Zel qui s'en prend un dans la foulée. Il n'y a pas de respect dans ce jeu. Et pas de bol, c'est l'heure de la sieste. A priori, on est tombé sur une princesse qui a environ 65 ans. Ouais, Rick, je suis plutôt d'accord. Il n'y a pas grand monde dans ce jeu, à part les personnages principaux et les personnages secondaires. On croise pas grand chose. Il y avait un pécor sur un vent tout à l'heure dans la ville de Zell. À part ça, le calme plat. Alors lui il a mal au beat, c'est génial. On va aller chercher la princesse pour le briefing. C'est au bout normalement. Ouais non mais c'est une bonne guerre de Pecno, hein, ça y a pas de problème. Les deux côtés sont aussi compétents l'un que l'autre. Là, on tombe sur qui? C'est la miss avec qui on a dansé au bal tout à l'heure. Enfin, la veille dans le jeu plutôt.
Et voilà, c'est pour ça qu'elle nous a lâchés. Peut-être pas. Ah voilà, c'était pour que Seifer la présente à Sid. Pendant le bal, a priori. Le Seifer, bien sûr. Gros loser qui a raté son examen d'entrée. Bon, vous en doutez, hein, si on doit choisir le nom du personnage, c'est qu'on va pas s'en séparer tout de suite, au contraire. C'est pas vraiment lui qui a approché sa cible, mais plutôt l'inverse. Mais bon. Bon, normalement je devais laisser... Enfin, j'avais prévu de laisser les noms normaux, mais... On va bien appeler Poupette, quoi. Référence à une certaine vidéo. Je sais pas si ça passe. Non, ça passe pas, c'est ballot. On va laisser. Laisser Angel. Bah là, vu que c'est la version française, on va laisser Linoa, Rec. Alors, on nous explique que le nuit de Rec de Linoa fait appel à son chien, enfin à sa chienne. Et c'est à ça que servent les bouquins d'animaux qu'on a récupérés tout à l'heure. À chaque fois qu'on va récupérer un bouquin, ça va apprendre une nouvelle capacité pour la limite break de Linoa. Un peu à l'image des livres d'armes. Là, c'est un livre pour les animaux. On va rejoindre les autres. Ah. Donc dans la base des hiboux, sacré nom de résistant. Alors on fait les présentations vite fait. C'est parti pour le briefing. Le VIP. Alors là, c'est parti pour le plan What the fuck. Chez vous, ceux qui ne connaissent pas. Ah, donc le faux wagon qui est en fait la copie du wagon du président.
En haut, c'est le train des résistants. En bas, c'est le train du président. Et... Voilà, en gros, on va échanger le wagon du président contre sa copie pour essayer de capturer le président et entamer des démarches de négociation avec lui. Alors, 1. Atteindre le second wagon escorte et monter dessus. 2. Avancer avec précaution sur le toit du deuxième wagon escorte. Petit 3. Avancer sur le toit du wagon présidentiel. 4, décrocher le premier wagon escorte qui se trouve donc juste devant le wagon présidentiel. Selfie qui veut tout faire péter tout le temps. C'est là que ça devient technique. On passe le wagon factice à la place du wagon vrai wagon. On utilise la base pour entraîner le wagon président avec nous. Ah, plan très simple, n'est-ce pas? La réalisation sera à la hauteur des explications, je pense. Ça va être du grand n'importe quoi. Ah, 5 minutes pour détourner un wagon. Et là on nous explique qu'il y a en fait des capteurs dans les wagons qui permettent de repérer s'il y a des gens sur le wagon qui bougent, des capteurs sonores, et des gens à l'extérieur du wagon qui ne bougent pas avec les capteurs thermiques. Et donc les capteurs sonores c'est les soldats bleus, et les capteurs thermiques c'est les soldats rouges qui les portent. Et le but pendant la mission, ça va être d'esquiver les capteurs qui nous gênent tout en défaisant les loquets entre les wagons. Donc voilà, dès qu'il y a un soldat en bleu on arrête de bouger, et dès qu'il y a un soldat en rouge on dégage. Voilà, on va descendre en rappel en bas des wagons, on va taper les codes, et c'est là qu'on va rigoler, parce que on a en fait ce superbe truc avec les boutons B1, B2, B3, B4. À l'époque c'était bien, hein, on avait croix, triangle, rond, carré, et là on a ça, et je sais pas s'il y a tout qui est dans l'ordre, donc on va essayer 2, 3, 4, 1... Ah non, mais d'accord, hein. Ouais, mais non. On va faire 2, 3, 4, 1. On a essayé un vite fait. Et si on se plante, c'est la merde. On a un temps limité. Alors 3, 2, 1, 3, 2, 1. Eh non, les boutons sont inversés, c'est génial.
Ouais, c'est exactement ça, Rek. On est bien compliqué les choses. Ah, j'ai pas vu le code. On va juste en refaire un. 4, 3, 2, 1. Ok, ça doit pas être compliqué. 4, 3, 2, 1. Ok, donc j'ai B2 et B4 qui sont inversés. Ça va être pratique pour faire les codes. On va quitter avec B5, je sais pas c'est quoi. Ok, c'était L1. Voilà, là ça critique sur la qualité des deux petites maquettes. Mais elle l'a fait exprès évidemment, c'est pour matérialiser sa haine contre Delling. On y croit. Ouais, je pense qu'il va y avoir une petite tricherie du 19e siècle qui va se mettre en place avec des papiers et des crayons. Parce que là, ça va être la merde. On a tout compris, nickel. Franchement, on sait tout. Donc, what's au renseignement? Zone bah, aux toilettes, quoi, a priori. On est prêt, on va voir Watts. Alors je sais pas si on continue ou si on arrête et on continuera la prochaine fois, parce que là il y en a pour un bon segment quand même, le temps de faire la mission en entier. Ouais voilà, exactement Rex. Est-ce que vous voulez qu'on respecte la strat? Non. Non, c'est bon, on n'a pas une heure devant nous non plus. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, histoire de pas finir à minuit. Et on va reprendre la semaine prochaine, enfin peut-être dans les jours qui viennent en fait quoi. Ouais, sauvegarder. Mettre en place le petit système de triche pour les boutons. D'ici là. Bon voilà, le live est terminé. Donc bah merci pour les gens qui ont suivi, c'était cool. La prochaine fois on va sûrement en fait cette petite mission là, récupérer le wagon du président et voir ce qui suit. Ah bah amuse-toi bien sur Overwatch du coup Omicron. T'inquiète pas Rek, on l'attaquera la prochaine fois, t'inquiète. Le bâtard de Delling. Bon allez, sur ce, bonne fin de soirée et à bientôt. Ah, fais-toi plaisir si tu veux Omicron. Allez, bye.